Allez, il est temps d'accueillir nos deux invités du jour, Nuno Rezende et Damien Sargue. Bon, écoutez, hein, quand on voit ces deux jeunes hommes, c'est pas la peine de se poser de questions sur le titre de l'album. C'est pas les séducteurs du Poitou, non. Ce sont les Latin Lovers. Les Latin Lovers, l'album. Vous reprenez des chansons latines, puisque je vais vous donner la liste. Entre autres, il y a la Camisa Negra. Mon accent est pourri, je vous préviens. Je suis désolé. Living la vida loca, qu'on vient d'entendre. La Isla Bonita. Yeah. Conga, Conga, c'est Gloria Estefan, ça. J'allais le faire. Et vous prenez aussi et surtout vous les femmes. Ah. Oui, sûr. Pour vous les femmes. Obligatoire. Est-ce que vous voulez qu'on regarde un petit peu le clip? Avec plaisir. Oui, allons-y. C'est un beau souvenir, ça. On se croit très fort. Ben, ça va. Ça va, on s'embête pas les garçons. C'est dur, c'est très dur. Ça va, c'est très dur. Alors le troisième jeune homme, il faut savoir qui c'est. Il est très légitime pour prendre cette chanson puisque c'est le fils de Julio. Exactement. Julio Iglesias Junior, qui ressemble un petit peu à Bertrand Chamerois. Exactement. Oui, oui, oui. Voilà. Merci. Si, bah, si, quand même, il y a quelque chose. Laissez-vous pousser les cheveux et vous ressemblerez à ça. Alors, c'est vrai, oui. Je vais savoir s'ils étaient payés pour faire ce genre de clip et si oui, où est-ce qu'on s'inscrit? J'imagine. Nous, on est là comme des cons. Mais c'était pas prévu, mais est-ce que vous accepteriez de faire passer d'audition à Jean-Michel Maire? Bien sûr. Bien sûr. Alors, Jean-Michel, est-ce que vous pouvez nous chanter un petit peu de Julio Iglesias? Oui, mais j'ai pas les accessoires. Non, non, mais les accessoires. Mais j'ai pas les paroles. Les accessoires, c'est ton physique. Mais c'est la Valérie. Dans les femmes, Attends, attends, non, non, c'est dommage de gâcher. Alors, passe-moi des fausses paroles. Parce que là, je pense que la chanson avance. Passe-moi les fausses textes. Nous, on le rappelle, vous avez fait énormément de comédies musicales et on vous a redécouvert dans The Voice. Donc, je vous propose tous les deux, vous vous retournez. Très joli, très joli. Vous vous retournez et si vous êtes convaincu, vous vous retournez pour lui. D'accord, très bien. Voilà, voilà, exactement. Voilà. On est dos à lui pour l'instant. Exactement, vous êtes dos à lui, vous pouvez le rester. Là, c'est le Latin loser. Hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous faites, vous? Bah, je prends du faux texte, hein. T'es marrant, je vais pas faire la la pendant la vidéo. Vous allez pas chanter du Julio Iglesias en lisant le programme télé. Improvise. Allez, c'est jour, improvise. Vas-y. Vous les femmes, et toi Gilles, que vous êtes beau quand tu es dans la loose. Comme toi Gilles, hypocrite, jusqu'au bout tu nous fais croire à tes amours. Il met de la musique derrière, c'est dans ça sur ta tonalité. Il est juste, pas au niveau justesse, il est juste. Et sinon, The Voice, l'année prochaine, du coup... Pourquoi pas maintenant. Ça y est, vous avez décidé. Voilà. Moi, je les soupçonne de s'être retourné juste pour que vous arrêtiez. C'est possible. Alors donc, les trois Latin Lovers, c'est donc Nuno, Julio Iglesias Junior, Damien Sargue. Il y a aussi des guests sur l'album, puisqu'il y a Pablo Alborán, Debbie Nova et Nico Liliu, qu'on a vu sur la comédie musicale Robin des Bois. Ouais. Exactement. Qui est à l'origine du projet? Bien, nous, on a eu cette idée un petit peu, il y a des années qu'on se connaît depuis les Roméo et Juliette. Il faut dire pourquoi, justement. Voilà. Vous étiez... Le spectacle Roméo et Juliette, ça fait maintenant 14 ans, je te laisse continuer. Non, mais, et puis voilà, c'était Roméo à l'époque, et puis moi j'étais remplaçant, et j'ai découvert un garçon très très sympa et généreux, et donc je me suis dit... Ça me coûte très cher à chaque fois. C'est parce qu'à chaque fois, dans les interviews, il dit grave. Non, mais et vous êtes resté toujours en contact, une. Vous étiez toujours en contact, vous vous êtes retrouvés récemment. On s'est retrouvés, et puis on s'est dit, ce serait quand même sympa de faire un projet, et puis M6 s'est approché de nous pour nous présenter Julio Iglesias et la maison de disques. C'est drôle, tout de suite, tout de suite, ça a collé. Et c'est depuis de l'aventure, et vous, Damien, vous avez fait Forever Gentleman juste avant. Vous ne faites que les albums pour brancher les filles, c'est ça? Exactement. Que dans la séduction, tout le temps. Dans la séduction, à mort. Hein. À mort. Mais c'est vous qui avez choisi les titres qui sont sur l'album? Ça a été la plupart des titres. Après, le répertoire est tellement large, donc il y a tellement de chansons, donc il fallait choisir au bout d'un moment. Mais parce qu'il y a des titres féminins au départ, enfin chantés par des interprètes féminines. Mais c'est vrai que bon, après l'idée, c'est de faire un beau voyage, un album qui corresponde un petit peu à
toutes les époques et puis qui rappelle de vieux souvenirs et puis des choses un peu plus récentes et puis qu'on voyage aussi dans le monde entier en espagnol, italien, portugais. Monsieur chante en cinq langues. Mais oui, c'est ça, j'ai vu ça. Vous avez quitté le Portugal à 12 ans et on dit que vous avez appris l'adaptabilité, ce qui fait que vous pouvez chanter en cinq langues. C'est quoi la langue la plus étonnante que vous maîtrisez? Peut-être le néerlandais, je ne maîtrise pas beaucoup. Hein. Je parle un peu, mais oui, je parle un petit peu six langues, mais c'est vrai que... Le néerlandais, c'est un peu le plus bizarre. Vous pouvez nous chanter quelque chose en néerlandais pour nous faire rêver? Ik hou van jou, alleen van jou. Ik kan niet leven in een wereld zonder jou. Excusez-moi Jean-Luc, mais si ça se trouve, il vient de nous faire du yaourt, on n'a rien compris. Exactement. Oui, mais c'est du beau yaourt. C'est du beau yaourt et c'est ça qui est important. Alors donc dans votre album Latin Lover, vous faites une reprise de Vous les femmes, on l'a vu. Oui. On va vous faire un quiz Vous les femmes. Je donne la citation d'une femme connue et vous devez retrouver qui a dit ça. Oh là là. D'accord. Tout le monde joue. Première affirmation, enfin première déclaration.